C'est la guerre, Jérôme. C'est eux ou c'est toi? C'est manger ou être mangé? Eat or to be eat. That's the question. Right? T'es pas ici pour les plaindre ou pour leur dire qu'ils sont dans la merde. T'es ici pour leur vendre de la merde et les féliciter d'avoir choisi la reliure, ok? Sinon, tu te casses. Monsieur Delon? Ouais. Alain Delon? Bah ouais. C'est dit pourquoi? Imbécile. Alors? Une semaine? Non, c'est pas possible ça. Pas une semaine, écoutez, moi je suis plus là dans une semaine. Il faut commander la pièce, il faut attendre qu'elle arrive, il faut que je mette un de mes gars dessus. Non, attendez, je suis sûr que c'est rien du tout, je suis sûr que c'est juste un câble à changer, ça prend 5 minutes. Vous êtes garagiste? Faites-le vous-même alors, monsieur. Voilà. Bon, écoutez, profitez un peu de la région, prenez des vacances. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de la région. Je suis ici pour bosser, je suis pas ici pour m'amuser. Gros con. Faut rester poli, monsieur. Oui. Parce que moi, j'ai été poli avec vous. Sale connard de merde! Gentlemen, welcome in the South. Je vous ai préparé quelques mises en situation en américaine et après vous aurez quartier libre. Ding dong. Oui. Bonjour monsieur Patrick Sergent, commun sergent de Pégase Diffusion Paris. Qu'entendez-vous par Pégase, monsieur? Serait-ce un cheval? Bien, nous voudrions vous présenter. Non. Qu'est-ce non, que Patrick. Qu'est-ce que j'ai encore fait là? Est-ce que tu m'as vu ouvrir la porte? Est-ce que quelqu'un m'a vu ouvrir cette porte? Non. C'est un exercice et il a fait ses preuves aux États-Unis qui a pour thème on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Imagine que tu fais bonne impression entre un malin ta trompe sous le nez des gens. C'est quoi ça, leadership? Leadership? C'est lui. C'est moi.